m'appelle JB, je suis démonstrateur pour le magasin Guitar & Co à Rennes. On va avoir l'occasion de se retrouver à travers pas mal de vidéos, de présentations de guitares, d'amplis et d'effets. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une guitare Triple X d'inspiration Fender, à savoir la Telecaster. Alors Triple X, qu'est-ce que c'est? Ce sont des kits personnalisés qui sont assemblés au magasin Guitar & Co à Rennes par les personnes qui y travaillent avec leur savoir-faire. Et ces guitares comportent les pièces que vous voulez, corps, manches, accastillage et micro. Alors ce kit, de quoi est-il composé? C'est parti, je vous fais le descriptif. Le corps est un corps américain en frêne des marais, finition huilée noire, ce qui lui donne une teinte marron très foncé, noire, satinée, plutôt mat. Ça donne un très bel effet. Le manche est un manche japonais en érable, touche palissandre, 21 cases. L'accastillage est composé d'un kit superchargeur de chez Graftech, donc deux guides cordes, un sillet de tête et six pontées en graphite, des mécaniques à bain d'huile Cluson et des attaches courroies chaleur, des straplocks. Les micros, quant à eux, sont des Seymour Duncan, en manche un SHPR1N, qui est un micro qui fonctionne en simple, en double bobinage et en P90. Le micro aigu, quant à lui, est un Seymour Duncan STL1B, qui est la réplique du micro aigu de la Broadcaster. Un volume, une tonalité, un switch 5 positions. La démo continue, la même chose, toutes les positions du sélecteur, mais cette fois-ci en son crunch. Alors cette Triple X est aussi très à l'aise sur des sons beaucoup plus musclés, dans un registre typé métal. Pour cela, j'utilise la pédale Blackstar HT Dual en drop D et on est sur le micro aigu, qui est le micro Broadcaster, et j'aime autant vous dire que ça déménage. <t'->
Alors voilà, en conclusion, cette guitare triple X type Telecaster est ce qu'on peut appeler une guitare tout-terrain parce qu'elle est très à l'aise, que ce soit en son clair, en crunch ou dans des registres de disto et de saturation beaucoup plus hargneux, ce qui lui permet de balayer pas mal de styles, pop, rock, country, jazz, metal, ce que vous voulez, faite avec des matériaux de très bonne qualité et assemblée et réglée par des passionnés qui ont un vrai savoir-faire, qui conseillent très bien. Alors, moi, je ne suis pas du tout déçu de cette guitare. Alors, je vous conseille d'aller l'essayer au magasin Guitar & Co. à Rennes. Filez les essayer et puis dites-nous ce que vous en pensez. Salut !